Et nous revoilà pour la cinquième partie de ce stream du dimanche 9 octobre. On est toujours sur Final Fantasy VII Remake, on est toujours en hard et je sais que je dis toujours les mêmes choses quand je lance la vidéo de ce jeu. On avait précédemment échappé à la tour Shinra après avoir sauvé Aerys, affronté Genova, affronté le fils du président et non, on s'était enfui par l'autoroute. J'avais skippé la scène de la moto hein, parce que je déteste cette phase de gameplay où on peut taper à gauche et à droite seulement avec un petit ajout en plus sur le remake. Hein, mais bon, voilà, le gameplay m'intéresse vraiment pas. Donc, on a passé cette scène de l'autoroute et là où dans le jeu original on s'apprêtait à sortir de Midgar, ici on a encore une petite chose à faire avant de partir. Donc, on va y aller. Je sais pas s'il y en aura pour une ou deux parties, hein. Je vais voir en termes de temps combien de temps ça met pour aller à la fin, hein. On est quasiment à la fin. Et donc voilà, dans ce remake, les développeurs ont fait le choix de nous faire affronter Sephiroth. Parce que, une fois de plus, comme je l'ai dit dans la fin de la précédente vidéo, je trouve ça dommage, vraiment. Cette fois, tu vas pas attendre. Attends. Tu as tort. Tu te méprends. Des yeux embués d'émotion ne sauraient y voir clair. Tu te trompes dans ta cause. La vie parcourt notre planète. Hélas, si la planète meurt, la vie s'éteint aussi. La planète survivra. Mais pour toi, c'est la fin. Ils arrivent. C'est le cri du destin. Enfin de retour après tout ce temps. Mais c'est pas le genre d'accueil que j'espérais. Oh. Franchement. Le prix de la liberté est cher payé. Donc là on retrouve ce personnage hein, qui semble avoir la même lame que Cloud quand on démarre Final Fantasy VII. Et ça peut amener beaucoup de questions. Tu dois vivre tes rêves. Et surtout, tu dois toujours protéger ton honneur. En tant que soldat, ça m'a compris. Sephiroth qui est capable de créer des brèches dans la réalité, hein, apparemment. Rejoins-moi vite, Cloud. Oh, cet air suffisant et complaisant et horrible. Tellement envie de lui mettre une bonne droite.
si on n'a que l'épisode 1. Liberté. Pourtant, pour être honnête, ça me fait peur. C'est comme un ciel sans fin. Le cri de la planète, vous l'avez entendu? C'est le cri de ceux qui vivaient autrefois sur cet astre. La voie de la vie qui parcourt la planète. C'est à cause de Sephiroth? Oui. Ils n'écoutent pas. Ces hurlements ne les touchent pas. Toutes les petites choses, pourtant si précieuses, tous les plaisirs, les joies du quotidien, ils ne les comprennent pas. Un méchant, quoi. Il n'a aucun être cher à perdre. Aucune mort ne saurait l'affliger. Sephiroth ne pense qu'à lui-même et à la planète. Il est prêt à tout faire pour la préserver. Malheureusement, il est complètement dans l'erreur. En vérité, l'ennemi de la planète, c'est lui-même. Je dois l'arrêter. Je voudrais te demander... Je voudrais vous demander votre aide. Je sais que si on se bat ensemble, on peut le faire. Par contre... Ce mur de fileurs est le seuil du destin. Sachez bien qu'en le passant, on change notre vie à tous. C'est pour ça que j'ai hésité et que je t'ai arrêté. Aucune hésitation pour moi. Il n'y a aucune raison d'hésiter. On doit vaincre Sephiroth. Voilà. Forcément qu'on va affronter le mec qui veut détruire la planète. J'en ai assez. Ça y est, je peux jouer. Merci. Donc là, j'aimerais bien... Tifa et Aerys. Allez, Cloud, dépêchons-nous. Je te remercie, Cloud. On va parler juste à ces deux-là. Je sais pas si ça change quoi que ce soit. Ah. Oups. Je pensais que le curseur était sur oui. Suite. T'es prêt? Commandant, je dois y aller. J'espère qu'on ne va pas loin. C'est le dernier rempart du destin. Il doit être épais. Ça pique un peu les yeux, ça fait bugger mon fond vert, désolé. Je
déjà connu bien pire que ça. Bah arrête, il a pas l'air. Il a pas l'air très rassuré non plus. Oula, ça fait bugger de ouf mon fond vert, désolé. Ça aurait pu s'arrêter là-dessus, hein, vraiment, Final Fantasy VII Remake. Mais une fois de plus, voilà, les développeurs ont choisi de nous lui faire livrer un combat encore plus épique avant de s'arrêter. Ça fait déjà 11 minutes qu'il y a du blabla et qu'il n'y a pas trop de gameplay, je suis désolé, hein, c'est les jeux japonais qui sont souvent comme ça. Ça a pas l'air normal du tout, hein, mais bon. Je dis ça, je dis rien. Bon, je suis pas sûr que vous alliez. Bien le moins. Bah oui, pour rappel, l'autoroute est coupée. Et en plus, il y en a une de chaque côté des tornades. C'est pas le moment de dormir. Qu'est-ce que tu fais là? Jolie vue. Et donc là on a une créature avec des proportions titanesques hein, qui apparaît. Il est tellement fort ce Cloud. Ça y est, je peux jouer. Merci. J'aime bien jouer quand je joue à un jeu vidéo. Hi-ha! Merde, j'ai barrette. Ok. Hop là, pardon. Je pensais que j'avais Aeris. C'est un fileur. Il fait plus gardien du destin que ce...
On peut y arriver. Et donc on va devoir affronter ces espèces d'avatars du destin pour pouvoir passer. On va profiter pour lancer les compétences à Tifa en arrière-plan. Voilà, je prends tarif. Merde, je suis pas bloqué suffisamment longtemps. Oh merde, je suis stun. Vous arrêtez pas. J'espère que c'est scripté parce que je suis late sur le timing. Ouais, non, c'est bon, c'est scripté. Ah, ça fait deux fois déjà. Allez, parce que j'ai pris un méga cher là, mine de rien, dès le début du combat. Oh, ouais, je vais peut-être même mourir ici. Oh putain, j'ai perdu mes deux barres. Oh là 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 là. Putain, j'arrive à rien. Bordel. Oh bah voilà. Putain. T'as pas eu chaud parce que... Oh là 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 là, mais j'arrive rien à faire quoi. Désolé pour l'attente. On va tuer le jaune qui a l'air le plus faible. Je m'en prends tellement plein la gueule quoi. Pour le moment j'arrive pas à... C'est pas très glorieux comme combat, j'arrive pas à attaquer les ennemis. Ils sont beaucoup trop. Ok, ça c'est un peu abusé que je puisse me soigner ici, mais bon, pourquoi pas. Le fait qu'ils soient trois en même temps. Ouais, voilà, peut-être que s'il y en a juste un. Très bien. Ah merde, il rate pas une attaque. Ouah, non mais je. Je peux rien faire puisque bah, il me tape tout le groupe. Hein. Si en plus la caméra elle fait n'importe quoi,
C'est très très chaud. Ok, je l'ai déjà coupé un bras. On a gagné. Non. Ok. On a les souvenirs de chacun. Facile. Oh, il a recréé sa main. Je veux pas y arriver. Il est un peu loin et gros. Putain la vache! C'était quoi ça exactement? J'arrive à rien. J'étais en train de bloquer à la base, hein, mais bon. Une fois de plus, j'étais en train de bloquer aussi. Ouais, j'en tuais un comme ça. Merde, merde, hop, ça trompe deux boutons. Ah, j'ai pas le temps de me soigner, je suis dégoûté. Mais
maintenant qui en a fait la moitié de ce combat. Une fois de plus, hein, désolé si je suis un petit peu plus silencieux dans ces phases-là. Mais c'est pas. Voilà, c'est pas forcément facile. D'accord. Oh là là, les trois encore en même temps. Ils veulent vraiment pas nous lâcher. On se les répartit. Et on les attaque en même temps. Bon, moi je m'occupe du gros machin. C'est moi ton adversaire. Ah, les trois en même temps, j'aime pas. Oh là 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 là. Quoi ce bordel? Oh putain, c'est Bahamut. Ah putain. Oh putain. C'est mal barré. Mais non, mais c'est énorme, j'ai rien le temps de faire quoi. J'ai rien le temps de faire. Au moins il me bourre la gueule et. Super, ça va servir à rien ça. Aïe, aïe. Pas le soin, je vais claquer du soin là. C'est tout. Je vais mourir, ok. Je ne peux rien faire en fait hein, pour le moment. Oh là là, j'ai pas de. J'ai rien. Je pense que ça va s'arrêter là, les amis. On va essayer de ressusciter type là-haut quand même. Je commence à totalement perdre espoir. Hein, voilà. Non mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux rien faire. Allez, faut au moins que je réussisse à invoquer. J'ai presque plus de force. J'avais vraiment hâte de te voir. Tiens, je suis en train de bouffer toute ma mana, quoi. Catastrophe. Ah, voilà. Et Cloud, il a pas. Il a pas vie. Ça doit être une erreur de ma part. Hein. Pourrait pas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse quoi? Voilà. C'est la fin du game les amis. Je comprends pas en fait comment je peux mieux gérer.
Quand le mec me fait 3 attaques et que je suis mort, je ne vois pas. Je suis peut-être arrivé dans le combat avec pas assez de vie. J'espère que honnêtement que je vais pas tout me retaper, hein, sinon. Ce sera. Ah ouais, ok. Ok. Bah non. Non, non, du coup, ce sera pour la prochaine fois. Je repars pas dans 30 minutes de combat comme ça. Ça va juste me faire rager et j'aime pas rager. Donc, je vais déjà peut-être faire une petite pause de 3 minutes, hein, histoire de redescendre un peu et puis je reprends tout de suite après. À toutes.